Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu annonce où je vais vous expliquer un peu plus de choses sur mon serveur Discord. Car j'ai créé un serveur Discord il y a pas mal de temps, plus de... disons au mois de juillet à peu près, vers fin juillet j'ai créé un peu le serveur Discord. Et c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas été très active dessus. Et récemment, grâce à The Shadows, mais aussi grâce à mon envie, mais plus grâce à The Shadows, j'ai été un peu plus active sur ce serveur et j'ai mis en place des choses qui m'a fortement conseillé et que je te remercie pour les conseils. Il y a d'autres personnes aussi sur le Discord qui m'ont donné des conseils pour améliorer, mais ces derniers temps c'est un peu plus avec lui que j'ai discuté pour les conseils de vidéo, pour les conseils de concernant le serveur Discord. Donc je te remercie si tu regardes cette vidéo là. Je vous expliquer un petit peu les salons qu'il va y avoir sur ce Discord et puis les petites choses que je vais essayer d'animer un petit peu plus concernant ce serveur. Déjà, dans un premier temps, le lien du Discord se trouve dans la description. Si vous voulez y aller, il y a une petite invitation. Vous cliquez dessus et hop, ça vous enverra sur le groupe et j'aurai plus qu'à vous mettre le rôle. Alors, il y a des rôles simples, il y a le rôle de Nakama et il y a le rôle de des membres. Tout simplement des modos, on va dire ça comme ça. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer rapidement, vous allez sûrement voir une image au moment où je vous parle des salons qu'il va y avoir. Alors dans un premier temps, il y a le salon général où tout le monde pourra discuter de tout et de rien, de poser des questions ou des choses comme ça. Donc ça va être vraiment blablaté, le général ça va servir qu'à ça, qu'à discuter, à faire coucou, à souhaiter bonne année, bonne journée, à poser une question rapide dose. Voilà, ça va servir vraiment que des discussions banales, on va dire ça comme ça, la vie quotidienne. Puis il y a le salon gaming où on va parler de jeux vidéo, mais pas seulement que de jeux vidéo. Par exemple, si vous avez un conseil de jeux vidéo à donner à quelqu'un, donnez-le. Si quelqu'un cherche une solution, par exemple pour battre un boss ou un autre dans un jeu vidéo ou autre, ou trouver les endroits pour faire par exemple dans un RPG, de l'XP ou d'autres choses, dans cet espace, dans ce salon là, vous donnerez vraiment des conseils là-dessus, des conseils de jeux vidéo. Est-ce que si quelqu'un par exemple a essayé le nouveau Dragon Ball Fighter, qu'est-ce que les gens en ont pensé, etc. Donc vraiment ça va parler que de gaming là-dessus. Ensuite il y a le serveur manga animé. Dans le serveur manga animé, ça va être un peu la même chose que jeux vidéo. On va parler de manga, on va débattre notamment par exemple du dernier épisode de Dragon Ball Super, du dernier épisode de Black Clover, des nouveaux animés de cette saison qui sont arrivés, plein de choses comme ça, mais aussi si vous avez des animés à conseiller à quelqu'un d'autre, par exemple il y a des animés de saison, l'exemple je prends, je vous conseille de regarder Blogger Six par exemple, hop je le mettrai dedans, pourquoi, etc. Donc vraiment si vous avez des conseils à vous donner entre fans d'animés et de manga, pas que d'animé, je parle aussi de manga, si vous voulez savoir avant d'acheter le manga, ouais ce manga là, qu'est-ce que quelqu'un peut me donner son avis, si quelqu'un l'a ou pas dans sa mangathèque, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne ou pas, est-ce que ça va me plaire, etc. Vraiment plein de choses de cet acabit là, plein de conseils et plein d'avis qui pourront vous aider soit à l'achat de manga, soit à la lecture de scan, soit à la lecture d'animé tout simplement, le visionnage d'animé. Donc voilà un peu. Ensuite, il y a le salon musique. Alors, ce salon est géré par un bot principalement. Tout simplement, je vais vous mettre en bas là, ici. Qu'est-ce qu'il faudra? Tout simplement, il faudra taper une commande spécifique avec le nom de la musique que vous voulez. Et ça va lancer une musique dans le salon général. Et donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer dans le salon général et couper le micro si vous ne voulez pas parler. Couper le micro et à écouter la musique tout en soit en lisant un scan, soit en lisant un manga, soit en jouant au jeu vidéo. Vous pouvez écouter la musique de votre choix. Il y aura des commandes spécifiques que je vais mettre partout autour de moi. Je mettrai les commandes. Il y aura aussi The Shadows qui va mettre les commandes, qui a mis les commandes dans le salon général pour vous donner qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut arrêter la musique, comment il faut passer à une suivante, etc. Il y a des manips à faire, à écrire, et vous pourrez écouter vos musiques. Bien le salon des annonces. Alors le salon des annonces va concerner uniquement les annonces concernant la chaîne, c'est-à-dire les dernières vidéos qui vont sortir, mais aussi si j'ai du retard dans une vidéo, dans un montage ou toute autre chose, si je ne peux pas publier une vidéo ou plein d'autres choses comme ça. Aussi dans ce salon, j'annoncerai quand est-ce que je reprendrai les let's et toute autre chose. C'est un peu à la manière d'un Twitter, mais sur le salon de Discord, donc ça peut vous donner une dernière news. Si voilà, vous ne savez pas, vous pouvez aller voir dans le salon annonce et vous verrez la dernière vidéo sortie. Et l'autre salon qui s'appelle partager vos chaînes YouTube, tout simplement dedans, il faudra partager vos chaînes. Alors, pour être simple, il faut faire une description de votre chaîne. Donc avec
Si votre pseudo ne correspond pas au même pseudo YouTube, mettez-le en bas de la description, comme ça on verra. S'il correspond même que votre pseudo Discord, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne correspondait pas, mettez votre pseudo d'autre chaîne. Et en dessous de cette description, vous mettez une seule vidéo représentative de votre chaîne. Une seule. Je veux pas sans arrêt revoir la même vidéo du même personne. Ces annonces-là, il y a une règle simple, c'est que tous les 3 semaines, vous pourrez renouveler cette publicité-là. Parce que sinon, après, ça fait trop de spam pour les gens qui veulent publier et à chaque fois, ce sera toujours les mêmes chaînes qui seront mises en avant et c'est pas bon. Donc comme ça, vous aurez plus qu'à défiler et regarder s'il y a une chaîne, une description de chaîne qui vous plaît, une vidéo qui vous plaît et vous sélectionnerez si vous voulez vous abonner ou pas. Cela permettra peut-être de faire connaître certains d'entre vous et je vous dis, c'est plutôt pas mal. L'autre salon que j'ai oublié de dire avant les autres, c'est conseil vidéo. Alors ce conseil vidéo, ce sera pour tout le monde, pas que pour moi. C'est-à-dire que dans ce salon-là, vous donnerez des conseils de vidéos pour le montage. Par exemple, si certains veulent savoir comment on fait un montage, comment on fait ça, comment on fait une belle miniature, vous donnerez des conseils pour pas mal de choses. Parmi les conseils, vous pouvez aussi dire « je cherche quelqu'un pour me faire une bannière » ou « je cherche quelqu'un pour me faire une miniature ». Voilà, dedans, ce sera uniquement concentré sur l'univers de la vidéo YouTube. Ça peut être aussi des Photoshop, des miniatures, mais vraiment tout ce qui concerne l'univers de vidéos, faire des vidéos sur internet, pas forcément YouTube, ça peut être d'autres plateformes aussi, mais publier une vidéo sur internet en général, ça va servir à ça le salon. Donc ensuite il y a d'autres salons, il y a des salons vocaux. Alors les salons vocaux, ça va servir uniquement pour les jeux, donc il y aura un salon vocal sur Overwatch, il y en a deux principalement, où il n'y a que 6 personnes qui peuvent y aller dans ces deux salons. Il y a aussi du Fortnite, parce que récemment j'ai installé le jeu Fortnite, du coup je me dis ça peut être pas mal. Il y a du Ozu, et au fur et à mesure je rajouterai des salons de combo pour jouer tout simplement. Pour que ce soit d'autres, je vais peut-être rajouter un salon Minecraft, vu qu'il y a pas mal de monde qui joue à Minecraft. Je me dis ça peut être pas mal aussi de faire là-dessus. Moi je ne joue pas spécialement à Minecraft, mais pour d'autres qui veulent communiquer entre eux, faire des serveurs, discuter, faire des vidéos ensemble via ce serveur, bah pourquoi pas, je me suis dit je vais créer ça, on va voir un peu tout ça. Voilà un petit peu tout ce qui va se passer sur le salon Discord. Petit à petit, je vais mieux réglementer tout ça, je vais être un peu plus actif. Je vais aussi être là au minimum, j'ai bien dit au minimum, un week-end tous les 15 jours. C'est le minimum que je m'impose. Après, il y a des week-ends où je serai plus active que d'autres parce que j'ai une vie IRL aussi, donc je serai pas tout le temps H24. Mais par exemple, vous pouvez m'envoyer un message via le portable, je pourrais vous répondre. Mais par vocaux, je serai au moins le week-end, le soir au moins. Je ferai une petite conversation sur un jeu vidéo. Bah là, notamment, si tout se passe bien, il y a un week-end où je ferai du Fortnite, un week-end où je ferai du Overwatch, un autre où je ferai du Ozu. Donc vraiment, ça va être que des combes. Je vais me mettre sur la combe Fortnite et hop, les personnes qui voudront y jouer, bah, elles viendront. Tout simplement, je lancerai dans le général. Voilà, je vais lancer une partie de Fortnite. Ceux qui veulent me rejoindre, chatter avec moi en vocal pour discuter du jeu, bah venez avec moi. Donc voilà un peu le topo de tout ça. Je vais essayer d'être un peu plus actif là-dessus. Même si des fois je suis pas en... Comment dire ça ? En vocal, j'essaierai d'être souvent à l'écrit parce que sur mon portable je peux y accéder facilement et essayer d'y répondre. Je vais être un peu plus actif. L'écrit, je serai plus actif le week-end que la semaine parce que la semaine je suis à l'internat donc du coup c'est assez difficile avec la connexion là-bas. C'est très compliqué. Mais le week-end, en conversation au moins écrit, je serai minimum. Là, le minimum vital. Parce que du vocal, ça va être autre chose. Voilà un peu le topo concernant ce Discord. Je vais y ajouter peut-être de nouvelles choses petit à petit. Je vous invite à voir, j'en parlerai un peu dans les annonces aussi, ce que je rajouterai sur le... Bon, plutôt dans le général, j'annoncerai les choses, les nouvelles choses qu'il va y avoir sur le Discord. Petit à petit, je vais rajouter des choses, des bots, des trucs comme ça. Je vais rendre un peu plus actif, un peu plus vivant ce serveur Discord. Mais il n'y a pas que moi qui dois le rendre vivant, il y a aussi vous qui devez le rendre vivant. En tout simplement en lançant des débats, des fois aussi, je vais peut-être mettre un salon débat où on va débattre de tout et de rien. Pas forcément du jeu vidéo, pas forcément du manga, ça peut être d'autres univers, d'autres choses encore. Bref, petit à petit, il y a des choses qui vont se rajouter et des nouvelles règles, des nouvelles choses. Donc vraiment, ce serveur va bouger pour le moment, voilà les principales choses qu'il va y avoir. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir sur le serveur Discord. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, les amis. Tchuss !